Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait hyper longtemps. J'ai posté des vidéos mais en mode j'étais en extérieur et c'était des vidéos qui n'étaient pas vraiment prévues. Sauf que là c'est une vidéo qui est prévue et tout un peu plus, comment dire, construite et tout. Donc voilà. Alors comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais tout simplement essayer de refaire les photos de profil Insta de mes potes. Alors la première personne que je vais faire, bah, c'est Jilan, mon pote Jilan. Je vous affiche sa photo de profil là. Et bah, tout simplement, vous allez vous préparer avec moi pour refaire exactement la même photo de profil. On y va! Pour Jilan, c'est hyper simple. Il faut juste sur un t-shirt noir, le collier doré, puis un masque noir et une bague. Ça va être hyper rapide. Je vais me changer, j'arrive tout de suite. C'est trop simple, trop facile. Donc, je suis revenue avec le t-shirt noir. Bon, il est taché, mais bon, c'est pas très grave. Alors, c'est pour la vidéo, c'est pas grave. Ensuite, le masque noir. Bien évidemment. La bague, bon, c'est pas exactement la même. Et ensuite, il faut quoi? Il faut des lunettes. Mes lunettes, elles sont cassées. Ne calculez pas, s'il vous plaît. Ah, purée! Ça va faire trop bizarre. Mes lunettes, elles sont cassées. Elles sont bancales de ouf. Lui, il a des vrais AirPods, pas comme moi. Mais bon, c'est pas grave. Un AirPod plus les lunettes. Putain, dire, je suis mort, c'est grave le look qu'il avait, wesh. Putain, c'est dommage, je peux pas lâcher parce que sinon ça tombe. Attendez, si je le bloque dans ma tresse. Mais c'est carré si je bloque ça dans ma tresse, sauf que c'est un peu trop haut. Aïe, ça fait mal. Mais ça va en fait, ça passe. Je suis grave une menteuse, ça passe pas. Regardez comme ça. Ça va ou pas? Ça passe. La pose qu'il a pris pour sa photo, c'est quoi? C'est ça? C'est ça? Non? Comme ça? Ça? Ouais. Pétédure! Wesh! Eh, Jilan, je suis grave ta twins. Si j'ai bien compris, la caméra, il l'a mis en bas, comme ça. Il a pris une photo comme ça? Sérieux, Jilan, ne m'insulte pas, j'essaie de faire au mieux. Hein, mais ta position, elle était un peu chelou quand même. Donc... voici la photo de Jilan et voici ma photo à moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si on se ressemble ou pas. J'ai essayé de faire au max. Et on passe maintenant à la deuxième personne. Avec tout ça là. Pour Laetitia, ça va être assez simple. Ouh là là, à chaque fois que je mets le masque et je l'enlève, j'ai une tête. C'est pas possible. Pour Laetitia, ça va être assez simple. En fait, Laetitia, c'est juste, elle a un t-shirt blanc. Et ensuite, elle a lâché ses cheveux. Et... il a fait une position un peu en mode... du coup, je vais essayer de reproduire ça. On va voir ce que ça va donner. J'ai mis le t-shirt et tout, blanc, comme elle. Et sa photo... voilà, bah, sa photo de profil, c'est pratique parce qu'elle l'a postée. Du coup, on voit un peu mieux. Donc, elle est comme ça. Elle est cheveux comme ça. Elle fait ça. Elle a la tête plutôt assez droite quand même, hein. Elle a du gloss, j'ai pas de gloss, je mets du gloss et des fossiles, gros, les fossiles et moi ça fait 15, c'est pas possible. Le principe de la vidéo, c'est pas d'être identique, c'est de ressembler quand même un minimum, tu vois. Donc voilà, j'ai mis du gloss. Non, ses mains sont fermées, elle fait comment? Comme ça en fait, d'accord, comme ça. Sauf que ça touche pas vraiment son visage. Mais comme ça? Il regarde quoi? Je sais pas, je comprends pas. Je vais essayer de prendre en photo pour voir ce que ça donne. Sauf que en fait, ce qui me perturbe, c'est que je sais pas où regarder parce que je sais pas ce qu'elle regarde en fait. Genre... bon, j'ai pris des photos, on verra bien. Suivant. La quatrième personne que je vais donc faire, c'est une pote à moi qui s'appelle Cheryl. Et franchement, c'est une question de facilité. Je l'ai choisie parce que c'est grave facile. C'est trop simple à faire. T-shirt blanc, bien évidemment. Et une petite sacoche noire.
c'est fini. Genre, le look, il est quasiment fini. Simplicité. Simplicité, je me suis battue avec le bail, wesh. Donc, elle tient sa sacoche comme ça. Ensuite, elle est debout et elle fait ça comme ça. Genre, elle prend une photo et comme ça. Comment? Comme ça? Tu crois que c'est un truc comme ça? Là, je vais faire ça debout, on va voir ce que ça donne. Il n'est pas le fond. Mais en mode de vue que je suis debout, t'as vu, c'est un peu compliqué de vous cacher la misère. Donc, bon. Donc, elle est sur la photo, elle tient, elle est comme ça. Elle a la bouche fermée, je sais pas pourquoi j'ouvre la bouche, moi, je ne sais pas. Donc, elle est comme ça. En mode, elle est comme ça. Donc, on va prendre les photos et on va voir ce que ça donne. Eh, c'est trop bien de filmer debout. Ah ouais, j'aime trop filmer debout. Oh, je me sens genre libre de mes mouvements et tout. Bon, en fait, j'aime trop filmer debout, donc je m'assois plus pour le reste de la vidéo. Donc, prochain sur la liste des personnes que je vais essayer de reproduire. Juliane. Sauf que Juliane, en fait, ça va être que la tête parce que clairement, on voit pas... On voit pas autre chose que sa tête sur sa photo de profil. Donc, Juliane, sur sa photo de profil, elle a clairement genre deux nattes ou deux vanilles. Je sais pas concrètement ce que c'est. Mais on va essayer de le reproduire. Donc, reculons assez. Elle a, ouais, elle a des nattes quoi. Si c'est pas des nattes, c'est des vanilles ou des twists. Donc voilà, j'ai les deux couettes. Sur sa photo, c'est un zoom hein, de ouf. C'est un délire comme ça, genre c'est un zoom de ouf sur sa tête, sur sa personne. Attendez, j'ai essayé de prendre des photos pour voir ce que ça donne. Pourquoi elle ça fait joli et moi je ressemble à rien? Je ne comprends pas. Mais elle a pris comment sa photo pour que ce soit jolie, wesh? Mais c'est quel genre de technique ça encore, wesh? Les gars, je suis une ouf. Elle a un piercing. Je l'ai même pas mis. Je suis trop bête. J'arrive. Les tons. Genre là. Avant qu'on commence à me demander, oui, où est-ce que tu as fait ton piercing? Je n'ai pas de piercing. C'est seulement l'accessoire qu'on met dans les cheveux, là. Bon, on va passer à autre chose, hein, franchement. Juliane, j'ai essayé, mais ce fut un flop. Ne nous montrons pas. Les gars, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Moi, je vous laisse. On se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez trouvé que j'ai réussi à bien imiter certaines photos ou pas. Si le concept vous a plu ou pas. Et sur ce, bah voilà, je vous laisse. Et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme je l'ai déjà dit, je me répète, mais bon, c'est pas grave. Bisous à la famille.